T'as mis les fleurs là. Hey, alors, qui c'est qui arrive à se tenir debout? Hein? Bon, elle prend appui sur le canapé, évidemment. Hein? Alors? Et là? Oups. Oh. Tu tombes? Voilà. Ah, il y a des jours comme ça, hein. Eh, ça fait 3 jours qu'elle nous fait ça. À chaque fois, on essaye de la filmer, mais évidemment, dès qu'elle voit l'appareil photo qui arrive... Elle tourne la tête, elle regarde. Elle tourne la tête, elle regarde et puis elle tombe. Et là, on a réussi à la voir. On a réussi à ta voir. On va voir ça. Papi, mamie, ils vont être contents. Hein. J'ai horreur quand le lit n'est pas fait le matin. Ça m'énerve. Ah là 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 là. Bon, les amis, c'est vendredi. Vendredi. Et là, aujourd'hui, c'est préparation, c'est préparation des bagages pour ce week-end. Parce qu'on part demain matin à Paris. Ouais. Straight. Enfin, ça va plutôt être... Ouais. By train. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on... Bon, on les a déjà préparés mentalement, on sait à peu près ce qu'on va prendre. Mais maintenant, il faut les faire. C'est qui fait les bagages? C'est Bibou. Ouais, il faut que j'avance dans les montages. Parce que donc là, vendredi, donc je vais essayer de faire un montage pour que vous ayez un vlog samedi matin, évidemment. Et je vais aussi essayer d'en faire un pour que vous en ayez un dimanche. Non, ce ne sera pas possible. Ben non. Non, vous n'aurez pas de vlog dimanche. Non. Impossible, ouais. Il n'y en aura pas lundi. Il n'y aura pas de dimanche, il n'y aura pas lundi. Donc là, il faut que je... Et j'ai fait le montage pour la séance de sport de dimanche parce que si j'oubliais ça... On se serait fait taper dessus. C'était foutu. Ouais. Et moi, il faut que je fasse la miniature pour le sport. Et là que je réfléchisse mentalement à mon organisation de tirage de lait. Ah. Parce que on ne sera pas à la maison, on sera dans le train dans longtemps. Dans le train à l'hôtel. Et puis en plus à l'hôtel et tout ça, je peux pas emmener le gros machin. Non, je prends le petit. Je vais prendre le petit et il y a que un côté. Bref, je vais essayer de faire des. Je sais pas comment je vais faire. Ça va aller. Hier, vous l'avez quitté très stressé, hein, mais maintenant ça va mieux. Hein? Oui, ouais, je suis plus aussi stressée, mais maintenant c'est plutôt j'ai le poids. Le poids. Allez go. Allez! Alors? Constater les amis qu'il fait très beau. Ouais. Je suis allé sortir papy là, j'étais en savate, en tong, en savate de doigts. Une savate de pied. En soie là, et ça fait plaisir. Bibou s'épile, apparemment, ça fait mal. Je sais pas, ça a l'air. C'est qui est là? C'est toi avec maman? C'est qui est tout nu comme ça? T'es pas dans le bain. Ben alors, t'es pas dans l'eau. C'est l'heure du bain. Oh, t'as sorti l'eau? C'est l'heure du bain. Et Bibou, elle prend son bain avec Elena. C'est son deuxième bain. Si vous avez loupé le premier, allez voir le vlog, on vous le met là. Et là, pour le coup, Bibou, elle s'est mis un petit maillot de bain pour pas qu'on ait... à flouter trop de trucs et tout. Mais à un moment donné, elle va l'enlever, évidemment. Hein. C'est juste pour vous qu'elle a mis le maillot. Elle est où sa tortue? La tortue. Faut la tortue. La tortue. On a perdu la tortue de bain. Elle doit être soit sur le tapis d'éveil, soit quelque part autour du lit, soit quelque part sur notre lit. Bref, les jouets commencent à se perdre dans la maison. Et à mon avis, ça va être de pire en pire. Hein, chaque fois que les enfants grandissent, les jouets, ça va de là à là à là à là. À là. Tu les perds, quoi. Moi j'ai pas le droit d'aller dans le bain, je suis trop petit. Regarde, c'est qui est là? C'est l'hippocampe. Tu l'aimes bien lui, hein?
la lumière. Bibou commence à s'endormir, les amis. La journée s'achève pour nous. Ouais. On a fait nos bagages. C'est ça, c'était l'angoisse. Là, je suis toujours dans l'angoisse. J'ai les yeux fermés, j'essaye de dormir, mais je suis dans l'angoisse. On a tout fait. Demain, on doit se réveiller à 6h pour partir très tôt à Paris. Ouais. Du coup, les amis, on vous retrouve pour un prochain vlog demain dans le train. Les amis, c'est samedi. Et aujourd'hui, on est dans le train. Direction Paris. Paris. Les amis, on est arrivé à Paris. On est arrivé à Paris et c'est samedi. Ouais. Évidemment. C'est samedi. Oui, on l'a pas déjà dit, mais c'est samedi. On l'a pas dit. et on a survécu au train avec Elena. Ouais, voilà. Elle a pas pleuré, elle a bien dormi. Ouais, elle a dormi deux fois. Maintenant direction l'hôtel. Et ensuite. Déjà, on va passer par le métro. Direction métro, direction hôtel et ensuite direction. Salon. Salon du fitness. On est arrivé à l'hôtel, les amis. C'est un super hôtel, apparemment. Je trouve qu'il a l'air pas mal. Ouais. Première vue. Donc maintenant, c'est petit mais mignon. Maintenant, on va prendre une douche, boire un coup, se reposer, se détendre. Ouais, tirer le lait. Tirer son lait. Et ensuite, salon. Bon, le babysitter est dans la chambre, c'est-à-dire le frère à Julien. Donc, petit frère. Tonton Tienne. Et là, nous, on va au salon. Voilà, on va au salon. Thank you.
c'est bon. On est sorti du salon. Ouais, on va vite rentrer à l'hôtel parce qu'il y a ma fille qui m'attend. Et je vais avoir un petit débordement laitier si ça continue. Ah, exactement. Exagération, tu sais. Alors Bibou marche à une vitesse folle. Je suis obligé de courir pour la... Je suis obligé de courir. Elle veut rentrer. Elle veut rentrer vite parce qu'elle a les... Elle a les seins qui vont déborder. J'ai mal. Faut qu'elle aille tirer son lait. Ça fait combien de temps que t'as pas tiré? Bah j'ai tiré, il était 14h. Bref, là il faut y aller quoi. C'est le moment de tirer. Il est bientôt 4h. Et elle a pas tout mangé d'ailleurs. Hein. Normalement elle était... Elle a laissé beaucoup. Elle a laissé... là. Ah ouais, tout entier. Elle rentre à la maison. À la maison. À l'hôtel. Et apparemment... le babysitting s'est bien passé. On l'a déjà dit que c'était mon frère qui l'avait gardé? Oui. Dans le vlog? Oui. On l'a déjà dit. Ok. On est à l'hôtel et il y a une petite dégustation de... Petite dégustation de fromage. Fromage et même du vin. C'est un super hôtel, hein. On pensait pas. Il est pas très cher. Et franchement, ils sont top. Ils sont top, top. Bon, les amis. Ici s'achève ce vlog. Ouais. On souffle parce qu'il est 21h30. Ouais, au moins, devait, au moins il est quelle heure là? Il est plus que ça. Il est 21h31. 31. On devait aller manger au resto avec, avec Alex et PJ et Jacopo et toute la bande des Body Time. Et finalement ça s'est pas fait parce que... Parce qu'en fait ils arrivaient pas à trouver de resto et, ouais. Et au final ils en ont trouvé un mais ils étaient trois fois trop loin de nous. Nous donc on était en train de errer à pied avec la petite dans l'écharpe et ils commençaient à avoir un petit peu de courant d'air et tout. Et donc du coup on a décidé de rebrousser chemin et de rentrer. Donc on a pris une pizza et on va la manger dans la chambre d'hôtel. Ouais. Et on va essayer de dormir. On va croiser les doigts pour qu'on dorme un peu. Ouais. Et demain rebelote. Donc évidemment on vous filme tout ça. Donc les amis, restez là, restez connectés, attentifs, parce pour qu'on vous la dit la suite. À demain pour un nouveau vlog. C'est ça. Ciao ciao.